Salut à tous, c'est Kishnifou. Et là, vous avez en face de vous un jeu flash dont j'en ai fait une catégorie spéciale, comme vous le voyez. Voilà, j'ai marqué flash au-dessus de la vidéo parce que je me suis dit que voilà, maintenant que j'avais mon conseiller personnel que je nomme et qui est nommé le grand Only Human, qui m'avait déjà conseillé Give Up Robot 2. Voilà, dont je vous avais fait une odyssée, c'est-à-dire que j'avais terminé le jeu complètement, et je m'étais pas mal énervé dessus, j'étais même devenu complètement fou. Mais c'était une bonne expérience à vivre, hein. J'avoue que là-dessus, il n'y avait pas de problème. Et là, eh ben, comme il a envie que je découvre plein d'autres jeux, eh ben, je me suis dit, je vais carrément faire une catégorie spéciale où, ben, en fait, ce qui consistera à jouer un jeu Flash du début. Si jamais il me plaît, je continue, jusqu'au bout peut-être, et j'en ferai ma propre conclusion juste après ou à part. Ce sera tout dans la même vidéo, mais je veux dire, peut-être que je m'arrêterai et le lendemain, une fois que je me serai bien reforgé, enfin forgé mon propre avis, là ça ira peut-être mieux et je mettrai ensemble le tout. Par contre, si jamais je joue au jeu et que je le trouve pas extrêmement bien, ben ou alors tout simplement que j'ai envie d'arrêter parce que j'ai pas le temps ou quoi que ce soit, ben j'arrêterai en plein milieu et je ferai ma conclusion pareil, soit dans la même vidéo, soit à part. Et là, eh ben, voilà, on va dire que j'ai un peu plus de 2 heures devant moi, donc il m'a dit que c'était pas trop long. Donc on verra bien ce que c'est, on verra bien ce qui va se passer. Donc, le jeu que je vous propose, c'est The Fancy Pants Adventure. Donc un petit bonhomme comme ça, en short, avec lequel, enfin qu'on dirige avec le pad de touche, haut, bas, gauche, droite. Voilà, il peut se baisser et il peut sauter avec la touche S et C, comme vous le voyez au-dessus, les seules commandes qu'on a accessibles, qui sont utilisables. Hein. Voilà, donc c'est un gameplay très très simple, pas de problème pour ça. Donc j'ai vu vite fait, parce que je suis déjà venu ici, que dans les options on pouvait changer la couleur de son short, et moi, eh ben j'ai envie de le mettre bleu. Voilà. Tout simplement, je suis content. Avec du bleu. Non pas que je n'aime pas le jaune, non non non, j'avais bien aimé, mais histoire de changer, comme ça, c'est bien. Apparemment, on peut avoir des trophées durant l'aventure. Voilà, 5. Et je verrai si je peux les trouver. Donc, à ce qui paraît, c'est un jeu de plateforme, mais aussi apparemment de recherche. Je pense pas que je vais passer trop de temps non plus. Mais on va bien voir si le jeu me plaît après tout. Hein. S'il me plaît carrément, je vais peut-être faire une petite exception et essayer de chercher un peu. Non, parce que ça, c'est vrai que je suis pas trop habitué dans les jeux à prendre trop mon temps. Surtout maintenant, en fait, j'aimerais finir le plus vite possible. Mais là, allez. Allez, pourquoi pas. On verra bien. Donc c'est parti, on va entrer dans le monde de ce Fancy Pants qui est un jeu assez populaire en fait et dont beaucoup m'en avaient déjà parlé et je crois que, ouais, il est sorti en 2006 et je pense qu'il était temps pour moi de le découvrir. Allez, c'est parti! Donc on atterrit dans une espèce de... Ouh là là, alors, on va se faire attaquer. Voilà, on peut leur sauter par-dessus, c'est parfait. Niveau de la maniabilité, ça va, j'aime bien. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Je veux dire, on n'a pas encore des sauts à faire. C'est à ce moment-là, plutôt, quand les phases de plateforme commenceront. Tiens, je ramasse des espèces de symboles de Konoha à la Naruto, là. Des petits gribouillis en forme circulaire. Ouais, pour le moment, je sais pas trop. On va attendre les phases de plateforme pour se forger son propre avis. Donc là, je vois qu'il y a une porte. Ah, donc est-ce qu'après on va monter et qu'on va pouvoir redescendre dans cette porte-là? Est-ce que c'est la fin? Je ne sais pas, je ne connais absolument rien. Est-ce que c'est bon de tuer les araignées? Je ne sais pas non plus. Un petit trampoline, ça c'est pas mal. Bon, apparemment je peux aller à gauche. Donc c'est parti. On va voir ce que ça nous réserve. Peut-être. Voilà, ok. Ça c'est quoi ça? Des panneaux. Bon, peut-être le premier trophée, hein? Ok, donc là j'ai ramassé d'autres gribouillis. Ok, ah tiens, à la Mario. D'accord, les gribouillis, en fait c'est un peu comme les pièces quoi. D'accord.
Bon, apparemment, j'ai 3 shorts. Voilà, je peux changer 3 shorts, 2-3 shorts pendant l'aventure. C'est bien. Non, bien évidemment, c'est mes vies. Ah bah voilà un trophée. D'accord. Bon bah j'ai eu mon premier trophée, c'est bien. Et en tout, il y en a 5. Donc, ce qui signifierait qu'il y a 5 niveaux. Non, je sais pas. Tiens, ah, par contre, ouais, ça m'a pas mis dans un autre niveau. Ça m'a mis dans un endroit à part, ce qui fait que, bah, par exemple, si j'entre dans la porte... Putain, mais dis donc, au niveau des sauts, si on laisse appuyer, est-ce qu'ils sautent plus haut? Ou alors c'est en prenant de l'élan? Ah ouais, c'est juste là quand même, c'était juste. Ouais, pour les bonus, ils nous mettent dans un autre endroit du niveau, mais pas dans un autre niveau complet. Voilà, là je monte, mais je sais pas si je pouvais descendre. Bon, on va voir. Ah mais là d'accord, ah ok. Je peux pas redescendre. Parce que là je sais pas, est-ce qu'il fallait descendre ou pas. Ah pas mal ça. Attendez, donc là on est là, on saute. Ah ouais bien, en plus j'ai jamais fait une bonne figure. Ah et quand, voilà, c'est ce qu'il m'avait dit aussi. Quand on est dans une pente, qu'on appuie sur la touche du bas, il fait la boule à la Sonic. En plus on a un short bleu, ça le fait. Alors donc on va aller à cette porte là. Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous réserve? D'accord, simplement pour choper ça. Par contre je sais pas encore à quoi ça sert. Peut-être pour avoir une vie au bout d'un moment. Sûrement. Bon voilà, pour le moment c'est une simple découverte hein, de ce que nous propose le jeu. Ah d'accord. Ok, je me suis fait toucher. Donc notre barre de vie c'est en haut à gauche. Ok. Donc on va voir quand est-ce que ça va réellement commencer. Quand est-ce que je vais commencer à bien galérer. Ah donc apparemment, ah d'accord. Donc là ça fait penser à Rayman Origins. Quand on peut courir sur les murs, quand on a eu le pouvoir exprès, qui nous sert à ça. Donc ok, ça fait penser à du Mario mélangé à du Sonic et mélangé à du Rayman. C'est pas mal. Ah tiens, il m'a envoyé quoi là? Oh putain, je me suis fait avoir, mais c'était quoi? Ah d'accord. Ouh là là, on se fait attaquer par des gros gribouillis, enfin des petits gribouillis là. Putain, et ça reste en plus. Hein. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? C'est un cartable, c'est... Ah, j'ai pu aller dedans. D'accord, d'accord. Eh oh, eh oh. Ah mais d'accord, je pouvais pas bouger. Voilà, ça c'est pourquoi ça. Putain. I see, you found the wall jump power up. Ah tiens, un pouvoir, le power jump. Ok, c'est génial. I was saving for later. Ok, I guess there's no harm in letting you... Alors, l'anglais, je comprends, mais dès qu'il y a des mots compliqués, pas possible. Donc là, qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? I guess there's no harm in letting you... Ouais, j'ai pas compris. Just don't expect the levels to take much advantage of it too much until the next game. Ok. Oh yeah, I guess... Oh là là, eh oh, ça va un peu trop loin là. Bon, je vais pas prendre... Bon, run. Voilà, je pense qu'il y a que ça à retenir. Run. Apparemment, on peut faire donc un wall jump. C'est parfait. Ah d'accord, ça monte. Ah, une petite phase à la Sonic 2, là. Ah, par contre... Ah oui, il s'accroche tout de suite. Il glisse pas contre le mur. Donc ça fait penser un petit peu... à part le fait qu'il ne... comme on dit, qu'il... En fait, j'allais faire une référence à Super Meat Boy. Et dans Super Meat Boy, il s'accroche pas directement au mur. En fait, il s'accroche, mais il glisse contre le mur avec l'élan. Tandis que là, je vais contre le mur et... Allez, oh merde, peut-être que je me grouille, mais je suis trop con. Oh mais non, mais moi, je vous montre des trucs. Je savais pas que ça allait aussi vite. Et je peux pas y retourner, je parie. Ah si, je peux. Bien, 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 bien. Bon, allez, là, peut-être que j'aille vite, du coup. Allez. Non, 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 je veux pas. Allez, go. C'est parti. Ouais, voilà, donc ça fait un peu penser à Super Meat Boy, voilà. En fait, il fait penser à plein de jeux, celui-là. En gros, il a été fait... Oh non! Mais je fais n'importe quoi! Non mais attendez, si déjà je galère maintenant... Oh là 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 là! Bon, je vais pas réessayer, je sais pas combien de fois. Là, je vais peut-être essayer, c'est ma dernière fois, mais y a rien de compliqué, je vois pas pourquoi j'y arrive pas, là. Allez, parle-moi. Ah mais merde, peut-être que j'aille récupérer ça. Voilà, allez, 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 c'est parti. Donc je vais récupérer ça, je sais pas si c'est utile de récupérer ça. Allez, hop, très bien. Ok, parfait.
Merde, j'ai loupé. Bon, ben, c'est pas grave. Hein. Ah, mais. Ah, c'est bizarre là. Hein. Là, par exemple, ah ouais, quand on est contre le mur et qu'on saute, il s'accroche pas. Il faut vraiment aller sauter et aller contre le mur, sinon ça marche pas. Ah, c'est tout. J'aurais peut-être dû récupérer les espèces de petites spirales vertes. Je sais pas, c'est peut-être un. Quand on prend une spirale. Tiens, il y a des souris. Souris, araignées. Bah, quand on prend des spirales vertes, c'est peut-être comme une super pièce. Ça nous donne plusieurs. Ah bah. 104. Ah, mais ça m'avait fait perdre des vies carrément. Dans le niveau bonus, on perd des vies. Oh là là, ok. Donc là, je viens de récupérer une vie. Grâce au fait que j'ai eu 100 gribouillis. Bon, ok, pour le moment, j'ai envie de dire pas de difficulté, même si j'ai. Même si je me suis chié comme un dingue. Ah, donc pour le moment, niveau visuel aussi, c'est basique, hein, franchement. Alors là, je veux juste voir. Non, monte pas. Voilà, je veux juste voir ça, ce que ça fait. Ah oui, voilà, ça nous en donne 5. Ok. Apparemment, il se passe rien de spécial quand on tue un ennemi, il donne rien, on n'a pas de score, donc on va essayer de foncer un petit peu. Et j'ai envie de ramasser quand même ça, parce que j'aimerais faire mon petit lot de vie, peut-être tous les 200, enfin tous les 100 on a une vie peut-être. Ah d'accord, donc lui c'est quand on veut, ah d'accord, eux c'est quand on veut. Ok, bah là par exemple ça fait penser à Donkey Kong Country, voilà, dans les espèces de tonneaux. Se met dans les tonneaux comme ça, il bouge et il faut appuyer au bon moment. Ah, c'est vraiment bien. Hein. Par contre, je faisais référence à Super Meat Boy, mais je pense. Ah, tiens, un autre trophée, allez hop. Je pense que Super Meat Boy est sorti. Oula. Est sorti après celui-ci, parce que celui-ci est sorti en 2006. Super Meat Boy, je sais pas. Sachant que Super Meat Boy c'était un jeu flash au départ, peut-être qu'il a mis du temps à se faire connaître et que c'est pour ça que. Bon, bah. Il est sorti. Peut-être beaucoup plus tard sur console, je sais pas. Bon, si parfois vous voyez qu'il y a une baisse de framerate, c'est que mon ordinateur n'est pas puissant, je l'avais dit lors de ma vidéo de Flynn. Alors là je fais quoi? Je vais d'abord dans la porte ou bah, je vais dans la porte. Ouais, c'est que mon ordinateur n'est pas assez puissant. Alors là qu'est-ce qu'il y a? Ah, peut-être que je fasse des rebonds. Keep holding jump. Ouais, c'est ça. Ok. 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 Oula, d'accord. Merde. En fait, quand on depuis le début, en fait, pour les premiers, je rappuyais sur le saut quand j'étais dessus et j'ai voulu vérifier si quand je rappuyais pas sur le saut, ça me faisait un saut plus ou moins avec de l'amplitude. Et apparemment, si. Donc, il faut bien sauter dessus. Voilà, on a plus d'amplitude comme ça. Ok. Voilà. Et là, ah d'accord, c'est une ligne, je peux aller dessus, c'est... Ah mais je suis con, mais ah, d'accord, c'est des lignes que je peux aller dessus, donc tout à l'heure, j'étais pas obligé de refaire. Bon, allez hop, un nouveau trophée, c'est parfait. Mais j'avais vu qu'on en avait 5, et là, j'en ai déjà 3. Il est vraiment très très court, ce jeu, alors. Hein. Ah ouais, ouais. Donc, quand Only, tu me disais de bien prendre mon temps, parce que sinon, ça aurait pas été intéressant, maintenant, je comprends. Merde, mais... Ah ouais, la hitbox, c'est vraiment tout le corps, hein. Ouais, c'est... Si c'est que ça, si c'est que les 5 trophées, alors oui, merde! Alors oui, il est vraiment très très court, et ça aurait été effectivement pas intéressant de le finir sans chercher les trophées. Hein. Parce que là, même pour le moment, le seul intérêt, c'est les trophées. Parce qu'après, là, je veux dire, on fait juste que sauter, aller de plateforme en plateforme, alors que les trophées donnent un peu plus de challenge, on va dire. Ah, je sais pas si c'est le bon chemin parce que j'ai vu qu'on pouvait aller à droite. On va descendre. Ah bah voilà, j'ai eu un nouveau trophée, ok. Et mais là ça fait 4 hein. Alors là je vais essayer de pas me faire avoir par l'araignée. Hop, parfait. Là qu'est-ce qui se passe? Ouais, d'accord. Faudrait que j'essaye d'aller là-bas. Hop là. Ah non, ça m'a fait monter. Bon, et si je vais ici? C'est rien que pour... Oh merde. Par contre, j'ai pas trouvé de moyen de récupérer ma vie. Peut-être que, comme il est court comme jeu. Enfin, je suppose qu'il l'est. Ah, tiens, bah, là, si. Je parlais de ma vie, mais là, je viens de récupérer. Bon, bah, peut-être qu'en récupérant des gribouillis, je récupère ma vie.
Non, parce que j'allais dire peut-être que... Mais non, mais... Ah, il faut vraiment... En l'air, en fait, j'ai l'impression que quand on n'a pas pris beaucoup d'élan, bah on a beau aller à droite, avec la touche de droite, ça va pas être bon. Ça, il va pas continuer dans son saut, en fait, en l'air. C'est plus axé réaliste de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre un bon élan avant de pouvoir bien passer la plateforme, quoi. Bien atteindre l'autre plateforme. Parce que sinon, c'est mort. Vous voyez, par exemple, je sais pas, moi. Là, j'essaie de pas prendre d'élan. Je vais sauter. Voilà, là il a eu du mal. Si je saute droit et que je vais à gauche, voilà. Vous avez vu, il a quand même pas mal de mal. Là je viens de retomber. Alors que dans le cas où je prends de l'élan et que je saute, voilà, mon saut est beaucoup plus grand. Et ce qui est normal. Hein. Mais parfois ça gêne, ça peut gêner peut-être un petit peu. Vu que c'est un jeu de plateforme, généralement quand c'est pas trop accès réaliste, c'est un peu mieux. Là, ça l'est un peu plus, mais bon. Pour le moment, ça me gêne pas tant que ça, donc c'est pas une critique, hein. C'est juste une remarque. Voilà, 200, j'ai eu une autre vie, ok, parfait, bon. À chaque centaine, on aura une vie, pas de soucis, c'est très bien. Donc, j'en loupe un petit peu, mais bon, apparemment, c'est pas si grave que ça. Oh, un petit peu de couleur. Ah, c'est bien, un petit peu de verdure. Ça change, ça se modifie, c'est pas mal. Pas grand chose, mais c'est déjà bien. Mais bon, franchement, il n'y a pas de critique à faire là-dessus, sachant qu'il a été fait qu'avec... Enfin, c'est qu'une seule personne qui l'a développé. Cette personne-là s'appelle Brad Bourne, si je me souviens bien. Et il a été seul à faire ce jeu, accompagné, oui, d'une autre personne, simplement pour faire les musiques. Voilà. Donc, franchement, pour le travail d'une seule personne, comme ça... C'est très bon, hein. Parce que voilà, niveau gameplay, j'ai rien à dire. Oula. Je sais pas si ça sert à quelque chose de les tuer, hein. Je pense qu'il y a deux approches dans ce jeu-là. Soit vous voulez profiter pleinement du jeu et... Oulala, merde. Merde. Et le faire lentement, c'est-à-dire, voilà, comme moi, j'en profite, je tue un peu tous les ennemis, je teste un petit peu le gameplay... Ah, par contre, j'ai remarqué, quand on saute, voilà, hop, ah non, ah, apparemment, si, ouais, encore un truc qui est assez réaliste, c'est que généralement dans les jeux de plateforme comme ça, quand on saute et qu'on va presque atterrir et qu'on appuie sur le saut, généralement il ressaute, alors que là, il faut vraiment attendre qu'on ait les pieds qui touchent à terre pour pouvoir faire un rebond. Là encore, c'est très assez réaliste, c'est pas gênant, mais ça peut le devenir quand ça deviendra plus délicat. Ah, alors, un autre ennemi... Oh putain. Je croyais qu'il allait passer à travers la plateforme, mais non. Est-ce qu'on peut sauter par-dessus? Là, je vois que je suis presque mort. Oui, donc je disais, il y a deux approches pour ce jeu-là. La première approche qui serait de faire le jeu comme je le fais, c'est-à-dire lentement, prendre son temps, découvrir un peu tout ça. Ah tiens, il peut vraiment prendre de la vitesse, hein. Waouh, ah j'aime bien ça. Ah, j'aime vraiment. Soit vous allez vraiment vite, vous vous souciez pas des... Ouais, parce que là, ça peut devenir vraiment jouissif. Hein. Là, comme vous voyez, j'ai été vite. Soit, voilà, vous vous souciez vraiment pas de tout ça et vous essayez de faire un high score. Allez, essayer le plus vite possible. Ouais, ça pourrait être bien. Je pourrais peut-être après me refaire le jeu en rapide, comme ça. Tu vois, quand je déboule. Ah, tiens. Ah, il s'est pas mis en boule. Tiens, alors, c'est bizarre. Comment on fait? Ah, donc là... Donc peut-être dans pas toutes les pentes, peut-être les pentes un peu plus... comme celle-ci, elle est un peu plus... Ah non. Il y a une petite animation quand il se paye. Bon, ça nous fait pas perdre de vie, je suppose. Bah, j'ai pas eu le temps. Beware. Ah, faites attention, c'est peut-être un boss. Ah, on va se battre contre un pingouin. Allez, viens là. Hop, là, contre le mur. Eh, c'est pas beau, ça. Allez, viens. Alors, si c'est toujours comme ça, ça va être facile. Hop là, on se laisse tomber. Oh, c'est facile. Oh, ça va, là. Allez, viens là. Trois fois, je parie. Non? Eh oui, trois fois. Donc ça, c'est un boss typique à la Mario, c'est-à-dire que vous arrivez dans un endroit fermé, il va vous foncer dessus, vous lui sautez trois fois sur la tête, et il crève. You beat World 1. To be continued. Voilà, c'est terminé. Ah, c'est vraiment terminé. Ah ouais, et le World 2,
C'est le deuxième jeu, parce qu'en fait, il y en a eu trois. Un en 2006, un en 2008, et l'autre qui a mis du temps à parvenir, je crois, en 2012, hein, carrément. Parce que d'après mes informations, le troisième est d'abord sorti sur console, et après en jeu flash. Donc voilà, je pense et je compte tous me les faire, parce que là, bah, qu'est-ce que je viens de voir? Je viens de voir un jeu abouti. Voilà, je viens de voir un bon jeu dans lequel on peut s'éclater, comme je dis, avec deux approches, soit la première plutôt en ligne droite. Vraiment s'éclater à aller super vite, tel un Rayman Origins quand on fait les défis temps, soit plutôt prendre son temps comme un bon vieux jeu où on essaie de tout récupérer, tuer tous les ennemis, et dans ce cas-là, ben voilà, on profite un peu plus du game. J'allais dire on profite un peu plus du gameplay, non, parce que après tout, le gameplay il est tout aussi bon quand on va vite, mais malgré tout, je pense que pour ce premier jeu-là, je trouve qu'il n'y a pas assez. Enfin, comment on dit? Le design du level, le level design, voilà, n'est pas adapté pour aller vite. Du moins, pas dans celui-là. Je pense que dans les prochains, oui. Mais alors, dans celui-là, je pense pas qu'il a été fait pour aller vite. Ça s'est vu, la plupart du temps, on doit grimper. Il y a quelques phases en pente où on peut aller un peu plus vite, mais après on est vite stoppé par des plaques ou alors par des trous où ça nécessite d'être un peu plus. Faire un peu plus attention. Voilà. Bon, sinon, pas grande difficulté. Vous l'avez vu, à part dans un endroit où j'ai été, je suis mort quelques fois, bah, là où ça montait. Je pense que. Je crois que c'était de l'encre, hein. On peut assimiler ça à de l'encre qui montait. Voilà, c'est un bonhomme qui a été dessiné. Moi, je l'interprète comme ça. C'est un bonhomme qui a été dessiné. Il fait sa propre petite aventure. Et là, dans ce qu'on a vu, où l'encre montait, en fait, pour essayer de le rabsorber, histoire qu'il n'existe plus, bah là, c'était le niveau le plus compliqué, voilà, de ce World 1. Mais à part ça, pas vraiment de difficulté. J'ai perdu aucune vie. J'ai perdu un petit peu de ma barre de vie. Parce que oui, Lightbox, elle est bien. Je veux dire, il n'y a pas un endroit du corps qui est pas géré, elle n'est pas trop poussée non plus, c'est-à-dire que, ben, je sais pas, il y a des jeux parfois, vous allez approcher un personnage et visuellement vous n'allez pas le toucher, mais le jeu considère que vous l'avez touché. Bon, là non, d'après ce que j'ai vu, c'est bien, quand on lui saute dessus, il n'y a pas de problème. Parfois, j'aurais pu par exemple lui sauter un peu plus à côté et la me faire avoir, c'est souvent le cas, et c'est souvent, je trouve, un défaut dans les jeux plateforme comme ça. Là non, à chaque fois que j'ai sauté dessus, il n'y a aucun problème. Et voilà, bon, c'est un bon petit jeu pour 30 minutes, voilà. Bon, après, si vous voulez le refaire, essayer d'aller un peu plus vite, ouais, pas de problème. Là, par exemple, je sais pas si je rentre dedans. Voir ce qu'il propose. Tiens, bah, je vais aller voir les trophées. Ah, voilà, donc il m'en manque un. Alors, je sais pas s'ils sont dans l'ordre. Qu'est-ce que c'est? What you see here is the latest design of Sketch Michael's Creation Stand. That's right, kids, the highly anticipated stand adventure mode, ok. Ouais, je sais pas trop à quoi ça fait référence. Je comprends pas tout, il faut dire aussi. Puis j'ai pas trop envie de tout lire non plus. Donc il m'en manque un. Et ouais. Bon, je sais même pas depuis combien de temps ça a commencé. Attendez, vous allez certainement voir mon logiciel apparaître là. Non, ah bah non, non, c'est vrai, je peux pas. Ah, je peux pas. Ouais, bah. Level select. Ah, mais oui, mais si je peux sélectionner les levels, et sachant que ce serait peut-être le dernier trophée. Level 1, level 2. Alors, il y avait des levels, carrément. Je les ai pas vus. Peut-être en passant des portes. Ah, si, 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 voilà. Donc, apparemment, c'est ici que je l'aurais oublié. Bon, bah là, on va essayer de foncer un peu plus. Voir un peu. Ah, ouais, mais voilà, on est vite stoppé par ça, là. Hein. Et je vais essayer de foncer, ah, les montées qui nous ralentissent. Ah, vous voyez, c'est pas fait pour aller vite. Et là, si je. Non, bah non, j'allais dire si je me mets en boule, peut-être que. Mais voilà, moi, franchement, il m'avait dit que c'était court. Only, tu m'avais dit que c'était court. Mais j'aurais pas pensé. Ouh là, là, ça a bien ramé. Mais ça, c'est mon ordinateur. Mais j'aurais jamais pensé que ce soit aussi court. Mais c'est bien. Merde, d'accord. Ouais, bah non, 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 il n'y a que ça, hein.
Ouais, pour le trophée, c'est autre chose, ça doit être un autre endroit. Bon bah voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi j'ai bien aimé, c'est un bon jeu, avec une bonne maniabilité, qui me fait penser au parcours en fait. Parce que moi, comme sport, je fais du parcours, c'est du passement d'obstacles, voilà, pour résumer. Et c'est vrai que déjà le gars avec son short trop large pour lui, il a déjà la dégaine d'un mec qui fait du parcours. Et puis même quand il court comme ça, c'est vraiment... voilà, c'est typique d'un free runner. Et voilà, s'appuyer sur les murs, faire des sauts, tout ça, il a le style. Il a, voilà, quand on fait un saut en arrière alors qu'il est dans une... Par exemple, on va foncer, là, on fait un saut en arrière dans l'autre sens, il va faire un looping, un salto plutôt. Et voilà, enfin ça c'est typique des gens qui font du parcours. Bien sûr, je n'ai pas ce niveau-là. Non, je sais pas faire des saltos arrière comme ça, à tout va. Non. Contre un mur encore peut-être, mais là non. Donc ça c'est pas mal aussi. Ça, c'est un aspect qui m'a bien plu. Donc pour vous éclater, un petit moment comme ça, c'est pas mal. Et je suis pressé en fait de découvrir l'évolution qu'il y a pu avoir dans les autres Fantasy Pants. Voilà, allez, bien, si vous voulez le découvrir, je pense que je vous le mettrai en dessous de la vidéo, le lien, voilà, sur lequel je suis en ce moment. Et puis, ben, je vous souhaite de bien retourner vos occupations, et ciao à tous!